Je suis en live au moment où sortira cette vidéo. Venez découvrir ce à quoi ressemblera Dofus et aussi participer à notre progression. Vous serez amené peut-être à nous croiser sur le serveur 2 puisque ce sera là où on y jouera. Et à cet effet, dans cette vidéo, je vais vous expliquer un petit peu notre run, ce qu'on va y faire, les dernières nouveautés qui ont été annoncées par Ankama et aussi quelques outils qui pourraient vous aider pour votre progression à vous, que ce soit sur Dofus Unity en bêta ou sur Dofus classique pour ceux qui vont également reprendre le jeu. Alors niveau 1, forcément on est face à Ganymède. C'est une quête que je ne fais pas, je suis pas un amoureux des quêtes, alors en plus de ça, quand on peut les skip, j'hésite pas. On se casse de là, on va descendre, purée mais là l'œuf, faut dire, il bouge un petit peu sur cette version. Comment il va bouger sur la version Unity? J'ai vraiment hâte. J'ai hâte de voir tous les éléments de décor qui vont s'afficher, sachant que de mon côté, si vous passez sur mon Twitch, j'activerai les graphismes à fond. On a ce PNJ, André incarné. On lui parle, on la remercie, je pense. Non, on dit que le dieu initialement choisi ne nous correspond pas et on prend le filtre. C'est assez important de prendre cette potion pour pas mal de classes parmi vous parce que celle-ci nous permet d'avoir un reroll de classe gratuit, sans rien payer, dans la mesure où vous utilisez cette potion en dessous du niveau 20. Ça veut dire que derrière, si je up niveau 30, 40 sans déconnecter, et on sait du coup que notre client sera plus endurant prochainement sur Unity, bah une fois que je fais la déco reco, je change de classe même si je suis niveau 60. Donc ça permet à des persos qui ont des leveling pas terribles de commencer en Yop par exemple avec l'épée divine, et ensuite une fois qu'on est prêt à passer sur notre autre classe, alors on fait le switch et on peut déjà avoir gagné pas mal de sang là-dessus. Bon, au début, ce que je vais faire et ce que je vous suggère de faire, c'est de descendre à Astrub et de taper des pioux. Les pioux, avec un personnage niveau 20, il faut savoir qu'on en solote un facilement niveau 10. Donc en plus de gagner de l'XP, ça nous fait récupérer le succès du pioux et ça nous fait gagner une panoplie pioux. Une fois qu'on a cette panoplie pioux en poche, on pourra faire le donjon Cardorim. Donjon Cardorim, ce sera sur Incarnam. Et une fois qu'on a torché le donjon Cardorim à Incarnam, on n'est pas loin du niveau 20 en général. On peut taper tous les succès aux alentours, on check ça. Donc les animalades, les larves, ce genre de choses. On va surtout prendre la quête Hématome Pouce en 1-15 et on va commencer ces donjons tour du monde avec Metagrobig en 7-24. Je le précise parce que c'est pas forcément intuitif pour tout le monde, mais c'est les quêtes qu'il faut quand même prendre. Et après, on commence une aventure de donjons de succès où on progresse et où la panoplie Q va nous sustenter jusqu'à arriver au blob. Alors, il se passera un truc intéressant, c'est que forcément, on a tous l'image de la panoplie niveau 50, la panoplie d'Albuiran avec la Bracasca et compagnie, on est en 9 PA, 10 PA même, niveau 60, sans trop d'efforts. Cette panneau, elle sera pas évidente à choper, parce que, bon, il n'y aura pas forcément les HDV, enfin, si, les HDV, mais il n'y aura pas forcément beaucoup de personnes pour en vendre, et surtout, ce sera hors de prix, comptez pas sur les caves que vous ferez avec vos succès niveau 30 pour vous payer une panoplie Albuiran. Alors, une fois que vous avez votre panoplie Pew, je vous invite à vous renseigner sur la panoplie Blop. Donc vous tapez des robots ici, vous faites le succès, vous tapez les blobs qui sont pas bien durs, en plus de ça les maps seront plus adaptées, là aujourd'hui faire des blobs c'est horrible parce que les maps sont full distance, on est obligé d'aller dans la caverne juste ici pour les farmer, alors qu'en fait c'est les zones qui sont accessibles même si vous êtes en panoplie, et ça vous donne accès à une panoplie blob niveau 50 qui vous donne quand même un PA, qu'on complète plus tard avec un Abracasca et on est en 8 PA minimum. Pour torcher la suite du jeu, peut-être 4 PM selon votre cap. Alors je vous redirige vers une vidéo que j'avais fait qui vous explique comment se stuffer sur Dofus en leveling, où des fois on va garder une panoplie blob jusqu'au niveau 80, 90, 100 selon l'avancée du serveur et notre optimisation à nous qu'on espère faire pour les donjons. La panoplie blob, faut savoir qu'elle nous sert jusqu'au contenu très facilement niveau 100, hein, c'est pas bien dur, même en duo. Bon, voilà en tout cas pour ce qui est du début de notre évolution sur le jeu, le premier jour de notre run, ce sera aussi peut-être vos premières heures de jeu sur Unity, sachant qu'on est en XP x1, donc ça peut être compliqué, vous avez deux serveurs, les deux premiers sont en multi, le dernier, le serveur 3, est en monocompte. Alors moi je pense que c'est malgré tout intéressant de jouer sur un serveur multi, même si on est monocompte, parce que les HDV vont multiplier leur activité s'il y a des joueurs qui jouent plusieurs
leur compte. Après, ça sera certainement au détriment de l'entraide qui sera davantage présente à mon avis sur les serveurs monocomptes, forcément puisque tout le monde sera en mono. Bon, je vous ai fait tout un tas de vidéos, hein, c'est vrai, je le répète toujours, mais tout ce que je peux aborder aujourd'hui dans cette vidéo en dehors des infos exclusives de notre run, c'est des choses que j'ai déjà répétées dans la précédente vidéo. Donc je vous ai fait une playlist spéciale Dofus Unity pour ceux qui vont reprendre Dofus et du coup redécouvrir cette version avec nous. Je vous mets tout ça en description, ça vous permettra de savoir comment XP, comment chercher les zones intéressantes, comment envisager la suite des stuff et aussi envisager certains personnages. La dernière consistait à vous parler des 6 classes que je conseille pour une aventure en reprise du jeu en solo. Maintenant, il y a quelque chose, quelques petites choses quand même qui ont été annoncées hier sur mon canal live qui peuvent vous intéresser. C'est que premièrement, quand vous allez arriver sur un personnage actuellement niveau 1 sur Dofus Unity, vous allez avoir des sorts qui sont dans tous les éléments. Ils se sont arrangés pour en fait modifier les sorts. On n'a pas eu de visuel, c'est dommage. Mais niveau 1, vous aurez, en l'occurrence pour le Yop, je suppose, la pression, la ferveur. On aura également le couperet et l'épée divine. Et le premier sort qu'on chope, si je dis pas de bêtises, c'est le niveau 5. Autre chose, les animations des monstres, les animations des personnages ne sont pas retirables. On est obligé de jouer avec les animations du jeu. Par contre, ce qu'ils ont dit, c'est que l'animation du sort 2 cancel l'animation du sort 1. En gros, quand on va faire une épée du Yop, on va voir l'épée du Yop qui va se lancer, mais si on lance un deuxième sort d'un coup, cette animation se coupe. Donc ça permet quand même d'avoir de la fluidité, même si on ne peut pas retirer les animes. En revanche, est-ce que le déplacement cancel l'animation, ça je sais pas. Sur cette bêta, et parce que ce sera une galère 100, on aura un PNJ qui va vous vendre des ressources qui sont obtenables en PVP ou en AVA, notamment des pépites ou des galets. Donc très certainement que, comme d'habitude, les premiers familiers montiliers qu'on va avoir sur le jeu, ce sera des montiliers, qu'on pourra peut-être mettre en autopilote gratuitement. Ils ont indiqué qu'ils souhaitaient mettre l'autopilote gratuite sur le jeu. Alors j'espère vraiment que sur la bêta, on aura au moins l'autopilote gratuite, parce que je vois mal les joueurs dépenser de l'argent pour avoir un autopilote. Pourtant, c'est quand même essentiel. Et en plus, c'est une bêta. Donc, on rend service à l'équipe en faisant des reports de bugs et simplement en jouant, en stackant un minimum les serveurs. Donc, j'espère qu'on aura quand même ce luxe. Et dernière chose, vous allez avoir du multi-rip-hop dans les donjons, comme d'habitude. Quand il y a de grosses affluences, Hang essaie de mettre plusieurs boss, par exemple, dans les donjons pour que tout le monde puisse choper son bouffetou royal. Maintenant, je vous parle de quelques outils qui pourront vous aider et qui viennent de voir le jour. Vous savez que j'adore quand des fansites ou des développeurs créent des outils pour les joueurs, parce que la plus grande force, je trouve, de Dofus, c'est avant tout sa communauté. Et on a, depuis quelques semaines, a priori, des applications qui se font pour aider la progression des joueurs, ou en tout cas ceux qui reprennent. Il y en a deux pour le moment, peut-être qu'il y en a plus, en tout cas j'en connais deux. Il y a d'abord Dofus Guide, donc c'est Majem qui l'a fait avec son équipe. Il s'agit d'avoir un launcher départ avec différents onglets. Donc ces onglets, il y en a quelques-uns qui peuvent vous intéresser. Il y a d'abord une gestion de fenêtre, c'est une sorte d'organizer. C'est un outil qui va vous permettre d'organiser vos persos selon un ordre d'initiative et d'avoir une touche attribuée pour changer d'une fenêtre à l'autre. Ensuite, vous allez avoir une petite calculette pour la forge de magie. Vous allez avoir en plus de ça un guide des métiers, c'est-à-dire que là, si je veux aller couper de l'if, le jeu me dit où est-ce que je peux trouver ce bois. Hop, avec un calculateur de ressources à dropper. Donc si j'ai 400 de prospection, que la ressource que je souhaite drop à 4% de base avec un challenge, on va partir d'une base de 0, mais j'ai 65% d'XP et de drop dans l'anomalie avec un bonus à manax de 30%, je sais que de base, j'ai 19% de chance de drop ma ressource. Bon voilà, ça peut être un exemple d'utilisation, mais vous avez aussi un tutoriel monocompte qui est, je pense, lié au propre tuto de Majem qui lui le développe sur sa chaîne. Et ce qu'on y trouve, c'est une progression unilatérale pour les joueurs qui souhaitent faire un 1 à 200 avec, je suppose, tout un tas de Dofus et tout un tas de succès, en fait, de la manière la plus optimisée selon Majem possible. Donc ça commence avec l'étape 1, l'étape 2, l'étape 3. Je rappelle que ça, c'est une fenêtre qui se superpose à l'écran. Donc même si je clique sur mon jeu, même si je sors une autre fenêtre, bah ça reste au-dessus en premier plan sur mon écran. Et là où c'est bien fait, c'est que sur cette appli, on a des petites cases à cocher une fois qu'on va une quête. Ça nous permet d'avoir un suivi
ici des succès qu'on va taper pour les monstres, mais aussi des succès quêtes derrière, avec à chaque fois, si on veille le succès, bah on met une petite coche, et on sait qu'on a pu retourner dans cette zone, on a pu retourner sur cette partie de la progression du tutoriel. Bon, c'est un chouette travail en tout cas, et il y aura tout un tas d'utilisations possibles. Il y a une deuxième appli aussi qui s'est développée, c'est celle de Ganymede. Le fonctionnement, il est plutôt similaire, donc c'est toujours une appli qui reste superposée à notre page, donc si je vais sur un site internet, bah ça reste au-dessus. La différence, c'est qu'on a forcément d'autres outils. En page d'accueil, on a par exemple l'Almanax ici qui nous est annoncé avec les Kama, l'XP et ce que ça nous coûte. On a aussi ici un autopilotage, une page autopilote. Vous savez que quand vous allez avoir besoin d'aller voir un PNJ en canal, si vous mettez slash travel avec la position du PNJ, bah vous rendez directement sur cette pause grâce à votre monture. Bah ça vous permet d'enregistrer tout un tas de positions différentes. Donc si je rajoute un PNJ qui s'appelle Pierre en 1,-1 par exemple, je clique sur plus. Et quand je vais cliquer sur ce petit bouton copier la position, ça va surtout me copier le slash travel 1-15. Bon, c'est tout bête, mais ça peut aussi faire gagner du temps à ses joueurs. Avec ça, le principe, c'est d'avoir plusieurs outils. Pas une progression unilatérale, mais en gros, des outils qui sont peut-être basés sur la progression, la trame principale du jeu avec Dofus, mais aussi d'autres guides qui vont être proposés par d'autres joueurs et certifiés par les créateurs de l'appli. Ça peut être un guide pour le colis, par exemple, pour se stuffer, ça peut être un guide sur les maisons, pour ceux qui veulent faire des maisons ou de l'élevage. Bref, il y aura tout un tas de guides, a priori, qui pourront être proposés, téléchargeables directement ici, et qu'on pourra suivre de la même manière en fait qu'on pouvait suivre nos quêtes sur le précédent guide. Bon, bah, selon les utilisations des uns des autres, alors a priori, il y a aussi des cases à cocher ici pour nous aider à y voir un petit peu plus clair. Ça, je suppose que c'est des liens cliquables. Bon, je sais qu'il y a aussi des liens sur ces applis. Suivant les utilisations, vous pouvez vous servir de deux applis désormais qui vont vous aider dans votre progression du jeu. Et puis, de mon côté, peut-être que je testerai une des applis pour Dofus Unity. Bon, après, moi, j'ai déjà ma route en tête, hein, mais notamment pour les Dofus, vu que je fais pas beaucoup de quêtes d'habitude, ça peut peut-être me permettre d'y voir un petit peu plus clair. Bon, c'est tout pour cette vidéo. Je vais surtout vous parler des news de ces applis et de nous, notre progression qu'on va faire avec Stig. J'ai essayé toute l'année de vous montrer au mieux ce à quoi ressemblait Dofus en 2024 et à vous préparer également la version Dofus Unity. Bah là, c'est le moment, ça sort en bêta. Alors, le meilleur des soutiens, ce serait de passer en live et d'essayer de suivre cette aventure avec nous. Purée, mais regardez ça. Lui, il fait une team avec une DA toute violette. Sadie, Eka, Feka, Eni, Enu, Panda, avec ça un upper mage, je sais pas trop où il veut aller avec sa compo, c'est pas des persos qui sont nuls individuellement, mais pour une grosse team comme ça, je sais pas si par exemple j'aurais mis un Eka Flip. Peut-être que je sous-cote. Bon, on verra du coup s'il fait sa team sur la bêta. En attendant, on se retrouve tout de suite sur Twitch ou peut-être plus tard pour d'autres vidéos sur YouTube. Si vous voulez reprendre Dofus avec la version Unity sur la bêta, je vous ai sorti une vidéo qui parle des 6 meilleures classes pour faire un rush solo et pour derrière peut-être rejoindre des teams. Allez la voir, je suis sûr qu'elle peut vous plaire.